à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour faire un petit haul. Enfin petit, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de haul et j'adore regarder ou faire des hauls même si ça prend beaucoup de temps. Pour ceux qui m'ont demandé un tuto pour ces nattes là à 1000 gemmes, par contre le bruit de la tondeuse ça y va quoi. À 1000 gemmes, je vous ferai le tuto coiffure de ces nattes là si ça vous intéresse, voilà. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti, je vous laisse avec la suite. Daniel Wellington m'a envoyé une nouvelle montre. Je sais qu'en plus il y a leurs nouvelles qui sont sorties, des toutes nouvelles. Et moi comme une conne, sans vraiment, je commande une montre Daniel Wellington avant que les nouvelles sortent. C'est pas grave, on remédiera ça très bientôt je pense. Comme d'habitude, vous avez moins 15% sur tout le site Daniel Wellington. La livraison est gratuite et le retour aussi. Ils fournissent des très bonnes montres, c'est de la très bonne qualité. Moi j'ai jamais eu de soucis avec. Bon, une paire de chaussures, parce que j'en ai qu'une à vous présenter. Ce sont des Converse hautes. Bon, par contre, sont dégueulasses. Des Converse hautes blanches. Mon frère, pour mon anniversaire, ne savait pas quoi m'acheter. Du coup, il m'a emmené chez ce sport, donc un magasin de chaussures, de baskets, etc. Et il m'a dit tu prends ce que tu veux. Et je sais pas, j'ai eu une folle envie de choisir des Converse hautes. Je trouve ça super beau, que ça va avec tout. Donc j'ai les basses et j'ai les hautes. Alors la meuf qui a tout quoi. Des indispensables en fait. Genre vous voulez avoir une paire de baskets, vous savez pas quoi prendre, les Converse, que ce soit des hautes ou des basses, des blanches ou des noires, c'est des indispensables à avoir, mais vraiment vraiment. Déjà des Sarah m'ont offert plein de petits cadeaux. Ils m'ont aussi offert un rouge à lèvres de chez Réserve Naturelle. J'avais jamais testé, la marque Réserve Naturelle me surprend de jour en jour, je vous avouerai. Voilà, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai quelques produits de chez eux niveau maquillage. Donc elles m'ont offert ce rouge à lèvres là dans une teinte un peu marron. Il est pas mat, je vais vous montrer. J'étais m'acheter une poudre fixante de chez eux. Je vous l'ai déjà présenté cette poudre, non? Si oui, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo Get With Me où je vous parle en même temps. Candice, à qui je fais des gros bisous, m'a conseillé celle-ci. Donc bah du coup j'étais là, en plus j'étais là acheter avec elle, en plus je crois. Et du coup voilà, elle est blanche et je préfère les poudres blanches. Elle fixe super bien. Donc voilà, peut-être que... Voilà, même quand tu brilles ou quoi que ce soit, tu mets un petit coup de pinceau avec ça. Matchbox m'ont envoyé leur anti-cerne. Je vous en ai aussi déjà parlé, mais comme j'adore cet anti-cerne, j'ai été obligée de vous en reparler. Il couvre super bien les cernes, il tient toute la journée. J'ai reçu ce rouge à lèvres là de chez Nocibé. Je l'ai mis une fois. Par contre, j'aime beaucoup l'embout. C'est un embout un peu courbé, comme ça, ça va dans le creux de vos lèvres. La couleur est magnifique. Juste ici. Voilà. C'est un mat parce que vous savez que je préfère les mats. Et voilà, il s'applique super bien, il est mat et il tient toute la journée. Ça, j'étais très surprise. Je l'ai mis la semaine dernière, j'ai été manger, etc. Et il tient. Par contre, le petit souci, je ne sais pas si c'est moi ou alors si c'est le rouge à lèvres. Le lendemain, j'avais un bouton de fièvre au niveau de la lèvre. Moi, il a disparu il a disparu le lendemain. Mais je sais pas. Donc, faudrait que je le remette pour voir si ça vient de moi ou ça vient du rouge à lèvres. Mais voilà, Nocibé, franchement, j'étais très surprise. Pour Noël, ça, je voulais pas montrer. Ange. Donc Angelina m'a offert cette palette-ci de chez Sephora qui faisait des petites collections Noël à cette période-là. Donc en triangle, par contre, l'avoir en triangle est surtout pas pratique du tout pour transporter, mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai beaucoup aimé les couleurs. C'est totalement les couleurs que je mets en fait. Moi c'est le type de palette qui me correspond totalement parce que je suis pas le style de fille à faire des maquillages de ouf aux yeux surtout. Mais c'est des couleurs, voilà. Vous avez celle-ci, donc c'est une couleur... c'est une couleur un peu rose pailletée que je mets au coin interne de l'œil. J'aime beaucoup. C'est une des palettes que j'utilise le plus parce que c'est des couleurs hyper neutres. Mon anniversaire, Victoria. En fait, Victoria, je la connais tellement par cœur cette fille. Qu'en fait, on avait été faire les magasins ensemble. On était passé à Moa, à Moulins. Et genre, moi j'aime trop parce qu'ils proposent des choses de ouf niveau. Lunettes de soleil, coques, accessoires et bijoux surtout, et ça reste super peu cher en fait, et ça reste de la bonne qualité. Et elle me connaît tellement bien qu'elle sait que voilà les couleurs et même comment il est, etc. J'aime trop. Il y en a un qui s'est cassé donc je pourrais pas vous montrer. Je les ai achetés à Pinky pour 12 €. Ça reste super cher pour 4 colliers comme ça, et surtout qu'il y en a un qui s'est pété, donc je pense que la qualité laisse à désirer un petit peu. Donc bref, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en veux pas Pinky.
un peu quand même. C'est ce genre de collier qui revient de ouf, de ouf, de ouf à la mode. Du coup aussi, et vous avez un petit attrape-rêve couleur argent. Et un premier rang. Et après, vous en avez un deuxième avec une petite, petite pierre comme ça noire, avec deux petits gouttes comme ça qui tombent, super beau. Et l'autre, c'est un truc noir en tissu, donc qui s'est pété. Du coup, petite internet chaise. J'aime beaucoup leur tirage de photos, c'est de super bonne qualité. Et je voulais vous en faire part parce que vous êtes beaucoup à me demander d'où viennent ce tirage de photos, d'où viennent ces Polaroids. Donc voilà, ils viennent du site internet Cheers. Vous avez plusieurs types. Vous avez des Polaroids, des photos normales, des magnettes, etc. Vous avez plein de choses en tirage pour photos, donc ça c'est super cool. Vous pouvez bénéficier de ce code là, comme ça vous rapporte 5€ à moi et 5€ à vous sur votre prochaine commande. Il y a un autre code promo pour vous que je vous mettrai en barre d'infos, je ne sais plus, je crois que c'est moins 10%, quelque chose comme ça. Et ça par contre, enfin le code que je vous propose, c'est juste sur les box en fait. Le site Banggood qui propose plein de choses. Je voulais vous en parler parce que j'aime beaucoup leurs produits et je trouve que c'est de très... Enfin voilà, c'est un site chinois qui propose énormément de choses et donc c'est à très très bas prix. Et c'est de bonne qualité. J'ai commandé plein de coques. J'ai commandé des câbles pour mon iPhone puisque donc il y en a deux. Puisque moi le mien est en train de décéder. Merci beaucoup les câbles iPhone. Je pouvais aussi commander des écouteurs parce que mes écouteurs sont morts. Merci beaucoup Apple. Voilà. Donc, ils ont été certifiés Apple apparemment. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette Smile Detox que j'avais reçue au début de l'année et que je n'avais pas pu tester puisque, comme je l'avais dit, j'avais testé genre 3 semaines après et le contenant était tout dur. Donc là, le contenant est encore tout dur. Mais en fait, on m'avait expliqué après que j'ai posté la vidéo et qu'après que j'ai jeté le contenu que ça pouvait redevenir liquide en y pinçant sous l'eau chaude ou l'eau froide, je ne sais plus, faut que je vérifie. Donc moi j'ai le même coup là, donc là c'est les violets, je ne sais plus c'est équivalent à quel coup. Donc du coup, j'étais franchement trop déçue. Et du coup, je leur ai proposé qu'ils me renvoient leur Smile Detox. J'avais vraiment envie de tester ça parce que vous le savez, j'adore Merci Andy. C'est l'une des marques que j'adore lorsqu'ils m'envoient des produits et que j'adore vous parler. Donc, ils me l'ont renvoyé gentiment et je les remercie. J'ai pas pu encore la tester, mais je vais la tester et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo pour remercier Hugo de me l'avoir offert parce que c'était pour mon anniversaire et il n'était pas obligé de m'acheter un cadeau et il m'a quand même offert ça, donc c'est un petit clein d'œil. Et franchement, je l'utilise tout le temps. J'en avais une, mais j'avais pas ça en fait. Et puis même, elle commençait à être un peu dégueulasse et donc là, il y a un fond de coca dedans. Oups. Et franchement, je l'utilise tout le temps. Donc je te remercie Hugo parce que j'utilise vraiment beaucoup, et mais très utile, donc je te remercie. Bisous. Il y a un petit bouton à Cultura. J'étais m'acheter une petite pochette, comme ça, une petite pochette canson, pour mettre mes planches de recherche pour la réappliquer. Parce qu'ils nous en fournissent une grande, mais genre super grande, à la rentrée, mais à transporter, c'est super chiant. Donc quand on a des planches A3, ça, c'est super. Oui, ça rentre dans l'écran. Ça convient et on peut. Enfin, c'est pas. C'est pas plus dérangeant à transporter. Après qu'on a des planches de recherche de plus, enfin d'un format au-dessus d'A3, faut prendre notre grande planche. Mais bon, m'a coûté super cher, m'a coûté dans les 5€ je crois. Donc on va passer aux vêtements parce qu'il y en a énormément et j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai ce haut-ci à vous présenter qui vient de chez H&M que j'ai acheté lors de ma virée à Clermont chez Victoria. Donc j'avais déjà vu sur Carla, donc, la copine à Welcome Jules. Voilà, je le suis parce que j'aime beaucoup ses playlists et tout et il fait découvrir plein de rappeurs etc à chaque fois, donc j'aime beaucoup ses vidéos. Et sa copine, je la suis aussi sur son blog, j'aime beaucoup sa copine, elle est super jolie, j'aime beaucoup son Insta, c'était un peu militaire et rose et il est un peu court, donc il est un peu crop top, mais il est super beau et j'ai dû payer dans les 15€ je crois, quelque chose comme ça. Et ça fait longtemps que je n'avais pas acheté chez H&M en plus. Mon anniversaire, Ilona m'a offert cette doudoune là, donc c'est une doudoune toute fine en fait, donc je ne sais pas si, je pense pas qu'elle sera encore disponible à Pinky parce que ça devait être la collection hiver, mais c'est une doudoune que j'avais eue avec ma maman et que j'aimais trop et c'est une doudoune hyper fine mais qui porte hyper chaud et on peut quand même avoir une belle tenue avec ce genre de doudoune-ci. Ensuite à Jennifer, donc j'ai beaucoup acheté de choses à Jennifer en ce moment, je ne sais pas pourquoi, et surtout des bodys, j'ai une grosse folie des bodys en ce moment et genre c'est la chose que je peux le plus vous recommander en ce moment. C'est ce petit haut là tout simple qui va être
très très bien porté, je pense, pour cet été. Il va bien se faire apprécier parce qu'il est court, il est rouge, j'ai une grosse folie du rouge en ce moment. À H&M, pendant les soldes, j'avais acheté... Pourquoi il est taché là en fait, je m'explique. J'avais acheté ce t-shirt-ci, donc Batman jaune et noir, et vous avez été énormément à me demander où je l'avais acheté, et vous l'avez beaucoup apprécié quand je le mettais sur les réseaux sociaux, donc il est super super beau, je l'avoue. Je l'ai payé 7€. Voilà, c'était des prix déjà tout faits de chez H&M pendant les soldes, donc je l'ai payé 7€. H&M encore... Pareil, c'était des prix tout faits, je l'ai payé 7€ aussi, j'ai trouvé cette chemise-ci et j'ai pas de... En fait, j'ai pas énormément de belles chemises comme ça et je me dis que pour un événement ou pour une occasion ou même pour tous les jours, c'est une chemise à avoir en fait. De H&M aussi, mais ça c'est récemment, j'ai acheté cette jupe aussi. Voilà, donc c'est une jupe que genre je repérais depuis un bout de temps. Je la voulais en jean au début, genre en couleur jean et en matière jean. Je l'ai pas trouvée, du coup je l'ai pris en noir mais matière jean. J'aime beaucoup ça en fait. Donc soit je voulais un truc comme ça, soit avec des boutons. Donc voilà, je l'ai portée pour ma soirée VIP de chez Marionneau. Je compte vous faire une vidéo dessus, vous inquiétez pas. De chez Shein, parce que vous savez que je suis en partenariat long terme avec eux. Encore une fois, je le répète. Donc le mois dernier, du coup, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas présenté leurs produits, ils m'ont envoyé, donc, enfin j'ai choisi ce pull jaune. Il est tout froissé par contre, il y a plein de cheveux. J'ai été beaucoup, beaucoup repérée au lycée avec, je vous l'avouerai maintenant, je suis bien repérée quand je le porte. Mais il est super super beau, il est super chaud, donc le matin je peux mettre que ça. Là les temps où il fait bon, je peux mettre que ça, le matin j'ai pas besoin de mettre de veste. Pour y faire, du coup j'ai ce body là, j'aime beaucoup. Et aussi bah, du coup merci beaucoup à Nawel, parce qu'à chaque fois que j'achète des bodys, je suis avec Nawel. Et débardeur dans le dos, il est comme ça. Voilà, et donc du coup bah, en bas c'est comme ça. Super super beau, il se met donc du coup sur les épaules. Et il est rose poudré et pareil, donc système de pression en bas. Et bah voilà quoi, ça rend super bien. Je les prends en S, lui aussi en S je crois bien. Et voilà, ça fait des super beaux, enfin j'aime beaucoup. Pinky, il y a un petit bout de temps, au début de l'année, j'ai acheté ce petit haut là, tout rouge comme vous le savez, j'ai une grosse folie pour le rouge en ce moment. Le rouge ou le rose poudré. Donc en fait la particularité c'est que les manches et le bas en fait est comme ça. J'ai acheté ce aussi. Voilà, qui est court, donc il faut le mettre avec un jean taille haute. Il est col roulé avec une petite fermeture. Et il est gris et la matière est super agréable. J'ai acheté un autre haut de la même matière à Pinky. Je sais pas pourquoi parce que j'avais cette folie de cette matière, mais elle est super agréable. Et pareil, coûtait dans les 14€, je crois, quelque chose comme ça. Bah, lui, il est un peu chauve-souris, il est rose poudré, c'est la même matière. Et voilà, il est comme ça, il est chauve-souris avec des manches 3 quarts. Ensuite à Zara j'ai acheté ce jean-ci, il est super bien taillé. Ensuite à Bershka j'ai acheté deux pantalons récemment, j'ai acheté d'abord celui-ci, donc c'est deux pantalons que vous m'avez demandé énormément quand je les mettais sur mon Snapchat. Il y a d'abord celui-ci, donc lui il est quand même, comment dire, il pose quand même à la critique. Beaucoup disent que voilà c'est un pantalon de vieille etc tout, etc. Moi on me l'a déjà dit hein, je vais pas vous lâcher, on me l'a déjà dit, mais moi je le trouve super beau. Après enfin faut aimer ou faut pas aimer, mais moi je trouve que ça rend super bien avec un beau haut et des belles chaussures. Il peut être super bien habillé et rendre une tenue super jolie. Après voilà faut aimer, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui le porterait, mais voilà. Je l'ai pris en 34 et celui-ci en XS ou en S, quelque chose comme ça. Donc je l'ai pris en rose poudré. Et il y a des poches sur les côtés et il taille mais genre hyper bien, genre à la fin j'ai même pas besoin de faire des retourlés. Donc là j'étais très surprise de Bershka parce que normalement les jeans de Bershka ne me taillent pas hyper bien. Et là j'étais super super contente. Anniversaire, Esteban, Enzo et Nawel m'ont offert ce polo Lacoste qui est super super beau. Voilà, il est super super clair, donc je les remercie parce que je vous l'avais pas présenté en vidéo je crois. Et il est super beau, donc je les remercie. Et ensuite, One Piece m'ont envoyé leurs nouveautés, donc pour la collection là, printemps je crois. C'est une combinaison, donc elle est un peu spéciale. C'est hyper ouvert sur le côté. Là vous avez des grands élastiques, c'est un peu ouvert partout. Hein. Et en bas, bah, c'est pantalon, vous avez des poches et c'est resserré en bas. Donc c'est quand même une belle combinaison, c'est One Piece, ils font tout le temps du bon travail. Et c'est super agréable, de super bonne qualité. Tous les habits que là j'ai pu acheter ces derniers mois, je comptais vous faire
un lookbook, donc voilà, Candice devait me filmer, mais on a eu un petit imprévu pendant les vacances, donc on n'a pas pu la filmer, mais vous retrouverez un lookbook très prochainement. J'ai trop hâte de vous le filmer, de vous faire des belles tenues et de faire un beau montage et de vous sortir cette vidéo. Vous inquiétez pas, ça va arriver. À vous abonner ou à lâcher un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux qui seront marqués en barre d'infos, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.